Ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est quasiment dégagé, une température extérieure à 15 degrés, une température de l'eau à 18 degrés, une marée qui est pleine basse maintenant, 8h55 avec des coefficients de 45. Sur cette pleine marée basse, le vent est offshore par le sud-est, 1 à 2 Beaufort, le plan d'eau est propre et on a la houle longue de l'ex-tempête tropicale Fay, une houle qui s'est allongée, qui a repris des watts par rapport à hier soir. 13 secondes de période, une houle ouest à ouest-sud-ouest qui est sectionnée et qui délivre sur les séries un bon 3 mètres. Un 3 mètres assez velu, assez dru, entre les séries il y a 2,50. Voilà, bon, c'est très difficile du côté de la Cano, il y a quelques bouts qui passent sur certaines séries, mais il y a des séries à prendre sur le coin du nez, des conditions beaucoup plus faciles sur les spots de repli. Attention, la mer est dangereuse aujourd'hui avec cette houle longue bien puissante et ces séries très espacées. Direction les spots de repli, évolution pour le reste de la journée, un train d'houle qui reste stationnaire à la mi-journée, qui s'essouffle un peu en soirée. Le vent faiblit à la mi-journée, puis se renforce au nord cet après-midi. Donc le bon créneau c'est ce matin. La boue Arcachon doit être à son pic, là, à 3,70 m et 11 secondes. Là on voit une série à 3 mètres, là, un bon 3 mètres. On attend à 13h encore du 3 mètres au 7, houle ouest à ouest-sud-ouest, 13 secondes de période. Le vent qui passe sud-ouest et qui faiblit à un Beaufort, et à 17h, 2,80 m sur les plus grosses séries. Houle ouest à ouest sud-ouest, 13 secondes de période avec un vent qui passe au nord-nord-ouest et qui se renforce à 2-3 Beaufort. Ben, le meilleur créneau c'est ce matin et ça va se passer plutôt sur les spots de repli quand on voit la longueur de ces bonnes barres de mousse bien blanches. Prochain point à 11h30, à tout à l'heure, merci.